Aujourd'hui, je suis super excitée parce que je vous présente une nouvelle vidéo en collaboration avec Neutrogena et c'est ma nouvelle routine du soir. Je suis vraiment super excitée parce que c'est vraiment ma nouvelle routine que j'utilise dans mon nouveau mode de vie. Donc dans la vidéo, vous allez vraiment voir, dès que je finis ma journée à l'école à 6h, je vais directement au gym. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que je fais en arrivant chez moi, ma routine de son à peau et aussi qu'est-ce que je mange pour souper. C'est vraiment complet, c'est vraiment juste pour vous prouver que même si on finit nos journées super tard, comme dans mon cas à 6h, je réussis quand même à trouver une petite heure par jour pour prendre soin de moi, donc prendre soin de mon corps, ma peau et tout. Voilà, je voulais juste dire ça, un petit mot au début, et maintenant on y va pour la vidéo! Direction gym! Que j'ai rendu à environ 20 minutes de mon gym, je vais venir boire mon pre-workout. Encore une fois, je vais vous faire une vidéo plus complète à ce sujet-là, mais 20 minutes avant votre entraînement, c'est vraiment le meilleur moment pour prendre ça parce que ça va avoir le temps de faire effet, et une fois rendu au gym, vous allez avoir vraiment beaucoup plus d'énergie et vous allez être beaucoup plus concentré aussi pour vous entraîner. Let's go workout! Comment tu te sens, Sab? Je me sens morte. On a travaillé les bras aujourd'hui. Wouhou! Je viens juste d'arriver au condo, donc qu'est-ce qui est fun, c'est qu'après mon workout, je prends souvent un shake de protéines, ce qui fait en sorte que j'ai pas vraiment faim, c'est quelque chose qui va me bourrer pour environ 1 heure. Durant ce temps-là, la première chose que j'aime vraiment faire, c'est enlever mon make-up parce que j'en ai un petit peu à cause que je suis allée à l'école le matin. Rien de trop intense, mais ça reste que j'ai quand même su au gym, fait que je me sens comme pognée un peu. Fait que la première chose que je venais faire, c'est vraiment enlever tout ça. Et il y a comme un gros trend en ce moment qui vient de l'Asie, qui vient comment d'arriver en Amérique du Nord. Et c'est le démaquillage, si on veut, en 2 étapes. Donc ça consiste à prendre en premier une lingette, puis enlever l'excès, si on veut, d'impureté et le maquillage qu'on a en surface sur notre peau. Et ensuite, d'essayer avec un nettoyeur qui va travailler plus en profondeur, donc un nettoyant qui va venir mousser et vraiment laisser notre peau plus vibrante, plus saine, vraiment propre. Donc la première chose que je viens faire, c'est prendre mes lingettes comme ça de chez Neutrogena. C'est des lingettes nettoyantes, démaquillantes, tout en un. On a essayé beaucoup des lingettes, puis ceux-là, c'est vraiment les seuls qui me brûlent pas les yeux. Puis en plus, ils sont super bons, mais ceux qui ont la peau sensible, je peux vous dire qu'il y en a aussi sans parfum. Donc si vous préférez ça sans parfum, ils en font. Fait que je vais vraiment juste venir frotter mon visage, comme ça. Puis enlever le mascara surtout, puis le maquillage qui est vraiment en surface. Et je vais suivre avec un nettoyant. Vous pouvez suivre avec un de tout genre, donc en mousse, en gel, en eau, en peu importe. Pour ma part, j'aime vraiment celui-là, c'est le Hydro Boost de Neutrogena encore une fois. Je l'aime vraiment trop pour vrai, il fait super frais. Justement, quand on rince à l'eau, il laisse la peau super douce, il fait l'effet squeaky clean que j'aime vraiment, qui fait en sorte qu'on dirait qu'on n'a vraiment plus rien d'impureté sur notre visage. Puis en plus, il laisse ma peau super hydratée. Pris un peu de temps pour moi, donc regarder mon cellulaire, checker mes notifications et tout.
Je vais souvent venir manger en étudiant un petit peu. Donc, qu'est-ce qui est bien, qui me sauve énormément de temps aussi, c'est que mon copain et moi, on fait des meal prep le dimanche. Meal prep, en gros, c'est vraiment juste de faire tes repas pour le restant de ma semaine. Et là, pour ce soir, je m'étais fait une petite salade comme ça. Ça consiste à être des pois chiches, du maïs et plein de légumes. Donc, j'ai mis des concombres, des piments, des tomates, des oignons. Et j'ai mis un peu de feta. Puis pour ce qui est de la vinaigrette, c'est seulement de l'huile d'olive, du jus de citron, de l'origan et un petit peu de miel. C'est super léger, c'est bon pour la santé. Puis honnêtement, j'ai fait une grosse batch dimanche. Puis j'en ai eu pour 4 repas durant la semaine. Après avoir tout fait ma petite routine comme ça, j'aime bien venir finir ma soirée devant la télévision avec mon copain qui n'est pas là ce soir par exemple. Mais souvent on va venir écouter soit un épisode d'une série qu'on écoute ou juste parler un petit peu puis relaxer avant d'aller au lit. Et c'est pas mal ça. Comme vous voyez, même si j'ai une grosse journée puis que ma routine soir commence assez tard avec mon entraînement, je trouve quand même le temps justement de prendre soin de moi, puis je pense que c'est vraiment important que vous fassiez pareil. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, laissez-moi aussi en commentaire des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir pour le futur. Je veux aussi dire un merci à Neutrogena d'avoir participé avec moi pour cette vidéo aussi. Vous savez que oui, c'est une vidéo sponsorisée, mais vous savez que j'accepte de collaborer avec des compagnies en qui je crois seulement. Je pense que vous le savez déjà. Fait que voilà, maintenant je vais juste prendre soin de moi et aller au lit. Merci d'avoir écouté, à bientôt!